aujourd'hui de vous montrer une danse écrite par Stéphane Lociva tout à fait récemment, en mai, qui s'appelle Build a Fire, une danse intermédiaire de 32 temps sur deux murs. Dans cette danse, il y aura deux restarts et deux tags. Le tag 1 répété deux fois et le tag 2 identique au tag 1 plus 8 temps. Alors, dans un premier temps, je vous montre la danse et ensuite, on passera à l'explication des pas. 8 temps d'introduction musicale. On se retrouve à la fin. Me permettra de finir cette section.
flexion en cross mango side. On appuie sur la jambe droite. Je vous redonne le long des pas, coaster step. Coaster gauche. Quart droit, stomp up gauche. Gauche, stomp up droit. Quart à gauche et droit, stomp up gauche. Pose à gauche, stomp et cross mango side. On a fini avec le cross mango side, on fait la même chose de l'autre côté. On est dans l'appui droit. Cross mango side, on appuie gauche cette fois-ci. Je pars pour un full turn sur ma gauche, deux demi-tours. Le premier avec le pied droit derrière, le deuxième demi-tour sur ma gauche avec le pied gauche devant. Et on finira avec un side rock syncopé, droit et gauche. Side rock revient et side rock revient. On repart au cross mango. On appuie droit. Cross mango side. Le full turn. Demi, demi et deux side rock syncopé, side rock et side rock. La dernière section, on va ramener en switch le pied gauche pour refaire un side rock qui se terminera en quart de tour stomp, quart de tour gauche. Donc side rock, quart à gauche, stomp gauche, pied droit devant, je pivote sur ma jambe gauche d'un demi-tour, on appuie dessus, je continue sur la gauche en quart de tour pour faire un rock step droit, rock step droit. Je reviens. Maintenant, je finis avec un demi-tour sur ma droite, pied droit devant et stomp gauche à côté du pied droit pour repartir sur le deuxième mur. On refait cette dernière section où on est arrivé en appui droit, donc un pole side rock et side rock. Stomp 4 à gauche, pied droit, demi-tour. Gauche, rock step, quart de tour, gauche, reviens en appui gauche pour faire un demi-tour sur la droite, pied droit devant et le stand gauche sur lequel on s'appuiera pour repartir. Voilà, les pas sont là, on va les compter. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mur de 6 heures. On y va, c'est pareil. Triple diagonale droit, droite, gauche, droite. Je recule, même direction, gauche, droite, gauche. Je me tourne à midi, droite, gauche, droite. Rock, reviens. Coaster step du pied gauche. Coaster gauche. Quart à gauche, le pied droit à droite, stomp up du pied gauche. Pose à gauche, stomp up du pied droit. Un nouveau quart de tour sur la gauche et droit à droite, stomp up gauche. Pose à gauche, stop et cross mambo. Reviens en appui sur le côté, jambe droite. La troisième section, cross mambo side, cross mambo side, puis notre full turn sur la gauche. Demi-pied droit derrière, demi-pied gauche devant pour finir avec un side rock à droite, syncopé avec un side rock à gauche. Je ramène mon pied gauche en switch et je refais un side rock quart de tour. Side rock quart de tour gauche, stomp gauche. On appuie dessus, pied droit devant. Sur la gauche, demi-tour, je suis toujours en appui gauche. Quart de tour, rock droit, reviens, en appui derrière,
je vais effectuer un demi-tour. Droit, stomp, gauche à côté du pied droit et je sens l'appui dessus. On compte que le mur de 6 heures, on passe sur la diagonale. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, les deux murs sont faits. Alors, maintenant, on va essayer de décortiquer avec les tags et les wristbands. On commence la danse en faisant deux murs. Midi, 6 heures. Au bout du deuxième mur, on arrive à midi, on fait le premier tag. 16 temps. Hyper facile, on fait ensemble. On va arriver là, en stomp gauche. 16 temps, on va partir faire 3 stomp up dans la diagonale, puis une pause. 1, 2, 3 et 4, on revient d'appui dessus. Et on fait la même chose dans la diagonale gauche. 3 stomp up et une pause. 5, 6, 7 et 8. On a fait 8 ans, il nous en faut encore 8. On fait la même chose. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. On est en appui gauche. On repart pour faire un mur à midi, mais avec un restart au 24e temps. On refait ça. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, le 8, ça sera un stomp-up pour repartir au début de la danse. Donc voilà, on a fait le tag, on a fait 24 temps. On repart à nouveau pour deux murs, midi, 6 heures. Et à nouveau à midi, on fera le tag 1. Voilà. Puis ensuite, nous referons un mur entier à midi. Et au mur de 6 heures, nous ferons 16 temps et nous mettrons à ce moment-là le tag 2. Nous aurons à faire le tag 2. On va déjà faire le restart au bout de 16 temps et je vous montrerai le tag 2 qui est identique au tag 1 plus 8 temps. Voilà, donc là on fait 16 temps. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 9 et 16 temps, on est maintenant en appui droit. La différence avec le tag 1, c'est que déjà on va commencer du pied gauche et au lieu de faire 16 temps, on en fera 24. Donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, etc. jusqu'au 24e temps ici. On mettra légèrement en arrière pour repartir en diagonale et reculer et tourner. Donc là, on va faire le mur de 6 heures puisqu'on est là en entier. Et quand nous arriverons à midi, ce sera le final. Là, on n'aura plus que 8 temps, les 8 premiers temps à faire et rajouter un dernier temps pour terminer en même temps que la musique et à midi. Donc voilà, on a fait notre tag 2, on a fait notre mur de 6 heures en entier, on arrive là, on fera 8 temps plus 1, donc 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8, demi-tour sur la gauche, stomp gauche, et c'est terminé. Voilà, j'espère que ça va vous aider.
comme j'ai l'habitude de vous dire, à la prochaine vidéo si vous